c'est sûr qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, on a marqué beaucoup de buts, mais il faut dire que Trois-Rivières n'avait pas leur gardienne. C'était une joueuse qui était dans les buts. Ça fait quand même une bonne différence de ne pas avoir la gardienne. Elle sort moins haut, intercepte moins de ballons. Puis nous, on a joué beaucoup de passes en profondeur. Puis en même temps, bien, on est dans une période où on réussit beaucoup. On a beaucoup de succès dans nos réalisations. Fait que mis ça, tout ça mis ensemble, ça fait qu'on a quand même marqué beaucoup de buts aujourd'hui. Puis c'est certain que c'est de bon augure parce qu'on est en fin de saison puis on a besoin d'avoir confiance. Puis la confiance, bien, ça se gagne en marquant des buts, en jouant bien. Puis c'est ce qu'on fait présentement depuis deux semaines. On espère que ça va continuer et qu'on va se rendre jusqu'au bout. C'est décevant parce qu'on se bat tout le match, on joue un match de qualité. D'encaisser un but comme ça dans les arrêts de jeu, c'est sûr, c'est toujours un peu pénible. Mais bon, il faut apprendre de ces situations-là. Laval s'est battu jusqu'au bout. Écoute, il mérite le nul. On va rebondir dès dimanche. Ça dépend du score d'UQAM ce soir. Si UQAM a gagné leur match, passe devant nous. C'est l'éthique de travail à la base, l'éthique de travail, une philosophie qui est beaucoup axée sur le jeu avec ballon, une rigueur défensivement aussi dans toutes nos phases défensives. Puis les joueurs y croient. Les joueurs mentalement sont dans une bonne zone. Puis collectivement, les gars veulent travailler ensemble, veulent progresser ensemble. Donc c'est la clé du succès en ce moment de notre saison. Oui, Trois-Rivières, c'est une bonne équipe. Ils font une bonne saison. Je suis pas content de la première mi-temps. Je suis satisfait de la deuxième mi-temps. Effectivement, on a vu beaucoup de choses intéressantes. On a eu des échappées, trois échappées. Philippe, à chaque fois, ça passe à côté. J'ai beaucoup aimé la force de caractère de nos joueurs. Ça résume un peu vraiment notre saison. C'est dès que, désolé, on fait des conneries, on encaisse des buts sur des erreurs, puis on ne la met pas dedans. Alors, par contre, j'ai adoré l'état d'esprit des joueurs qui ont fini le match. Et puis, on a donné la chance à tout le monde de se faire valoir. Il nous reste trois matchs. Et puis, dimanche, on va chercher les trois points sur le terrain de Sherbrooke. Puis après, on a encore notre descente, les mains, pas de problème pour se battre au quatrième rang. Mais moi, c'est plus que ça. C'est que c'est non seulement on veut finir quatrième, faire les séries, mais il faudrait qu'on rentre dans les séries avec des certitudes. Pas les certitudes de la première mi-temps, mais de la deuxième mi-temps. Voilà.